la deuxième vallée la plus riche au monde. C'est une réalité du point de vue des potentialités dont regorge donc cette partie donc, de notre pays. Et à un moment donné, les diagnostics qui ont été réalisés par l'État béninois ont montré que si nous focalisons l'accent sur la transformation rurale au niveau donc, de cette vallée, rien que cette vallée peut nourrir le Bénin, dégager des surplus pour l'exportation. Des études ont été réalisées et le gouvernement du Bénin et la Banque africaine de développement se sont entendus pour mettre en œuvre le PAYAVO, donc projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Oumé. Un projet qui est financé par l'ensemble des parties prenantes à hauteur de 38 milliards, dont près de 35 milliards par la banque, 3 milliards par le gouvernement du Bénin, et il y a quand même une contribution de près de 800 millions par les bénéficiaires. Les objectifs visés, en fait, c'est une transformation rurale, structurelle, durable de cette partie donc de notre pays à des fins d'amélioration de la production et de la productivité. Améliorer les rendements, augmenter le niveau de production, mais également sécuriser de manière durable les zones de production. Un certain nombre de types d'aménagements que le projet a prévus, des aménagements gravitaires pour environ 1000 hectares avec une maîtrise totale de l'eau. Là, on peut produire en toute saison. Il y a des aménagements à l'entreprise, toujours des bas-fonds, jusqu'à hauteur de 700 hectares pour permettre une maîtrise partielle de l'eau. Il y a des aménagements à haute intensité de main-d'œuvre. Après avoir fait des études techniques sommaires, nous mettons les producteurs à contribution pour, sous l'encadrement technique des structures du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Hier, c'était les CARDER. Aujourd'hui, c'est les DDAEP et les ATDA, donc, qui sont opérationnels dans la zone d'intervention du projet, qui accompagnent donc, les producteurs pour ce type d'aménagement. Il y a l'aménagement des périmètres maraîchers. Le projet a prévu aménager 300 hectares. Nous sommes en train de lancer actuellement 128 hectares de périmètres maraîchers à aménager dans l'ensemble de la zone d'intervention. Alors donc, du point de vue donc, de ces aménagements, le projet ambitionne aménager au total 4800 hectares. Et actuellement, nous avons déjà réalisé plus de 1500 hectares d'aménagement. Pour pouvoir réduire les pertes post-récolte que nous connaissons dans nos zones de production, le produit a prévu la construction des magasins de stockage et des aires de séchage. 50 magasins de stockage et 100 aires de séchage que nous avons totalement réalisées. Pour la mise en marché donc, des produits, le projet donc, a prévu la construction de 6 centres de groupage. C'est des centres d'affaires pour les producteurs où les contrats sont négociés avant production. Au-delà de ces centres de groupage, il y a maintenant des marchés secondaires. Alors, ces marchés sont actuellement donc, totalement en réhabilitation ou en construction. Et dans le cadre donc, des activités du projet. La basse et moyenne vallée est caractérisée par ce que nous pouvons appeler un problème d'enclavement. Il a été identifié avec l'appui, le concours des mairies, 200 km de pistes que nous avons fini de réaliser. Il y a des digues pistes qui sont prévues pour désenclaver totalement, surtout la basse vallée, il faut près de 40 km de digues pistes à réaliser. Mais les ressources du projet ne permettent qu'une dizaine à une quinzaine de kilomètres de digues pistes, ce que nous sommes en train de réaliser actuellement.
en dehors donc de 16 infrastructures qui doivent constituer le soubassement donc pour les activités de production et d'amélioration de la productivité, nous avons une composante importante qui est la mise en valeur. C'est pour organiser la production autour. Et le projet met l'accent sur trois filières majeures, les cultures maraîchères, le riz et le maïs. Nous avons mis en place des fonds revolving qui permettent de capitaliser les ressources. Et si le projet n'est plus là, il doit pouvoir continuer ses activités. La disponibilité à temps des intrants, également une approche de fonds revolving. Pour le volet mécanisation, il est prévu donc des motoculteurs, des tracteurs à acquérir, mais toujours à travers un fonds revolving que les producteurs donc vont gérer et capitaliser pour que après le projet, ils puissent disons continuer donc d'utiliser ces fonds et à des fins donc d'amélioration de la production et de la productivité. Payavo, ce n'est qu'un véritable début. C'est un début, la vallée est assez vaste. Les actions menées par Payavo ne font que nous montrer que on peut compter sur cette vallée pour développer le pays. Donc il faut véritablement que nous pensions à comment pérenniser de ces ans d'action, de ces genres de projets, pour que véritablement cette vallée qu'on a trop citée soit vraiment développée pour le bonheur du pays, pour le bonheur de notre pays, puisque les études existent et qui ont prouvé que l'aménagement de cette vallée, la production du riz dans cette vallée peut nourrir l'Afrique. Mais pourquoi ? Jusqu'à présent, aucun chef de l'État n'a eu le courage d'aborder. Et c'est là que je félicite le chef de l'État, Talon. Je le dis honnêtement, la main sur le cœur. Il a compris que c'est une richesse de notre pays qu'il faut développer. Et je sais qu'également, il a un projet, le PAG, hein, dans son programme d'action du gouvernement. Il y a un projet particulier pour cette vallée. Et il faut vraiment qu'on mobilise suffisamment de ressources pour que nous puissions développer la vallée pour le bonheur de notre pays. Quand on va aujourd'hui à Redinsota, Redinsota est très célèbre à cause de l'eau chaude qui est là, la source thermale de Redinsota, et le gouvernement promet de sa mise en exploitation. Mais pour y accéder, c'est Payavo qui a permis l'accès à cet endroit-là. Mais là, la berge, vous allez maintenant, c'est touristique. Ils ont réalisé l'embarcadère l'embarcadère de Redinsota. Vous arrivez là, c'est vraiment bon. Un peu plus d'efforts peut-être de notre part maintenant là. Et ce serait un site touristique. Je crois que tout cela, c'est à l'actif de Payavo. Le projet là, c'est un projet sauveur pour les producteurs. Le projet sauveur, s'il peut reconduire encore pour le reste de nos affaires, ça nous fera beaucoup plaisir. Et encore le marché. Consommons local. Il va créer un marché de consommation local. Et l'usine pour la transformation, on va mettre en place les bonnes usines et ce qu'il veut de lui-même. Nous, on sait ce qu'il veut. On va faire sortir ce qu'il veut. Merci beaucoup.